bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce qu'il est possible de vivre du métier de prothésiste angulaire? Je ne sais pas combien de personnes, quand elles m'appellent au téléphone, me demandent « Mais Nathalie, est-ce qu'on peut réellement vivre de ce métier ?» Alors, vous allez trouver tout un tas de personnes qui vont vous dire « Non, c'est pas possible, le marché est saturé, tu vas pas pouvoir en vivre, surtout n'arrête pas ton emploi salarié pour ça. » Certaines personnes même dévalorisent le métier alors que en réalité, il est possible de très très bien en vivre. Et au-delà de ça, c'est pas un métier dégradant que de faire les ongles, au contraire, c'est un métier hyper créatif qui va vous permettre donc vraiment d'accéder à tout un tas de choses hyper épanouissantes, le fait de discuter avec les gens, le fait, comme je vous ai dit, d'avoir le côté créatif qui va vous permettre de vous exprimer, d'exprimer votre personnalité. Et c'est tellement important d'exprimer qui on est, d'aller de l'avant, de faire des choses. Et en fait, donc oui, c'est tout à fait possible de vivre de ce métier. J'ai d'ailleurs des exemples dans mes élèves, personnellement, qui ont commencé cette formation il y a quelques mois, voire quelques années avec moi, et qui aujourd'hui ont environ 5-6 clientes par jour, 5 jours par semaine, parce qu'elles ont décidé d'en prendre tant, mais elles auraient pu en avoir bien bien plus. Il y en a certaines qui sont complètes 3 mois à l'avance. D'ailleurs, il y a Maddy, donc merci Maddy Madison, qui a fait une vidéo de témoignage, donc n'hésitez pas à aller la voir, où elle vous dit qu'elle gagne 2000 euros par mois avec un bébé en bas âge qu'elle vient d'accoucher, c'était quoi, 3 mois avant il me semble, quelque chose comme ça, donc elle a son petit bébé et que ça ne l'empêche pas de pratiquer, de travailler chez elle et d'avoir une bonne clientèle. Et même malgré le fait qu'elle ait arrêté durant la fin de la grossesse et au début, eh bien la clientèle s'est refaite très très facilement, très rapidement. Donc voilà, il faut pas rester sur des idées reçues, sur des choses qu'on vous dit, parce que ces personnes-là finalement n'en savent rien. Ils se basent encore une fois sur ce que eux-mêmes ont entendu d'ailleurs et sur des légendes urbaines. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le marché, certes, il y a beaucoup de monde qui se lance dans les formations, mais combien réussissent? Combien tiennent plus de 3 ans? Finalement, il y en a peu. Et pourquoi? Parce qu'elles ont été mal formées. Parce que lancer une entreprise, c'est pas anodin. Il faut quand même savoir ce qu'on fait. Chercher des clientèles, la clientèle, pareil, c'est pareil. Il faut savoir comment faire. Il y a des stratégies derrière, il y a des stratégies marketing. Et puis, il faut être entouré. Quand on est seul, quand on est face à un échec, eh bien, on laisse tomber, on abandonne parce qu'on se dit « Non, je suis pas faite pour ça. » Il suffit encore que la famille vienne nous dire « Ouais, là, ouais, je sais pas, ton truc... ils vous mettent un coup dessus, quoi. Ils enfoncent le clou encore plus fort. Et moi, c'est ce qui a failli m'arriver au départ. Et je me dis, mais si je ne m'étais pas accrochée, je ne serais pas là aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait le groupe privé, donc avec que des femmes bienveillantes. Hein, je ne veux pas de femmes malveillantes dedans. D'ailleurs, s'il y en a une, elle dégage rapidement. Ça a été le cas. Il y en a eu quelques-unes qui ont essayé de s'infiltrer. Ben, je ne les ai pas gardées. Je préfère, faire le tri rapidement pour rester que entre filles bien, pour qu'on reste dans notre petit cocon de bienveillance. Et en fait, si vous voulez vraiment faire ce métier, il faudra prendre la formation la plus complète, donc vraiment qui comprend la théorie, la pratique, la partie clientèle, la partie entreprise. Et moi, j'ai en plus encore rajouté, en plus de tout ça, une partie sur l'état d'esprit pour être entrepreneur. Donc comment vous booster au quotidien, comment enlever les idées noires, comment vous focaliser sur votre objectif et comment réussir le plus vite possible. Et surtout, je vous suis pendant 6 mois et donc vous avez des évaluations régulières qui vous permettent donc de valider chaque partie de la formation pour être sûr que vous avez vraiment tout compris, tout assimilé. Et donc ça vous permet d'arriver à la fin de la formation, donc c'est une formation de base et perfectionnement, d'avoir vraiment un très très bon niveau. Donc vous devriez au moins suivre plusieurs formations, pas dire le nombre mais plusieurs, pour arriver à ce stade en fin de
au final. Donc le budget serait beaucoup plus grand si vous faites 5-6 formations que si vous n'en faites qu'une seule pendant 6 mois en étant accompagné tous les jours. Enfin voilà, moi j'ai vraiment mis au point cette formation parce que c'est celle que j'aurais voulu avoir, c'est celle pour laquelle j'aurais signé tout de suite, puisque moi j'aurais voulu avoir une communauté autour de moi qui me soutienne, j'aurais voulu avoir la correction de mes pauses au quotidien, j'aurais voulu avoir quelqu'un que je puisse appeler en cas de problème ou en cas de ah là là, je sais pas si la cliente elle a une mycose ou si c'est autre chose ou si c'est qu'une tâche ou je sais pas ce que c'est. Ben voilà, moi je suis là derrière aussi pour récupérer, pour répondre à ce genre de questions. Donc c'est important, je pense, de se sécuriser et d'avoir quelqu'un qui est là pour nous encourager mais aussi pour nous aider dans les moments où on a des doutes. Et donc voilà, si c'est ce que vous avez envie de faire, si vous sentez que peut-être c'est la bonne formation pour vous, et ben je serais vraiment très très contente de vous accueillir parmi nous, si vous êtes bienveillante. Encore une fois, je ne veux pas de personne malveillante, pas du tout. Je veux rester dans mon petit univers de bisounours peut-être, mais je suis très très bien comme ça. On est toutes hyper heureuses d'être dans ce groupe, donc vraiment il faut qu'il reste comme ça. Et donc voilà, on va aller chercher vos objectifs et puis on va essayer d'aller les réaliser ensemble. Si vous voulez donc déjà commencer par une formation d'initiation gratuite, je vous l'offre, donc c'est juste sous cette vidéo dans la barre d'infos, vous accédez donc à toutes mes formations d'initiation gratuite et mes conférences. Voilà, pour ma part je vous dis un énorme merci de me suivre, de regarder mes vidéos, de me soutenir, ça me fait vraiment très très plaisir. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce type, voilà, d'autres vidéos, eh bien n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Pour ma part, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.